final, c'est quand même pas mal parce que le contrat est rempli. Il y a 3 pilotes pro dedans. Je suis le premier des amateurs. Donc, je suis content d'être à cette place-là. Dans le top 5 également, ce soir, Eric s'approche de la table de pointage, ça veut dire que c'est Cédric Robert qui vient nous rejoindre sur ce podium. En tête du groupe RGT, en tête du trophée Michelin hors R5, en tête du bureau motrice. Cédric, apparemment tout s'est bien passé pour vous cet après-midi. Oui, à part qu'on prend un temps complémentaire, on perd 40 kilos. Bon Pierre, on a eu l'impression là en regardant les chronos que ça allait plutôt bien pour vous. Hein. De la 208 Radicop avec Hugo Margaillan, il est ici à Marceau.
en tête actuellement du classement U29, 200 000 Rally Cup 2021 avec la dotation qui ira derrière. C'est bien passé, on apprend, c'est vraiment très technique, mais on est content, voilà, l'erreur elle est vite faite, donc il faut vraiment rester sur la route. Et... toujours dans la 208 Rally Cup. Là, on a cassé le carreau dans la dernière, donc on a pu... Absolument. Voilà, problème mécanique hein, pour la mécanique. Bonsoir à vous, Nicolas Latil, Benoît Manzo, qui rentre ce soir en 9e position de la 208 Rally Cup. Du tout prévu ce scénario là. D'abord la sortie de route de Ludo. On souhaite que tout aille bien pour Ludo et pour Geoffrey bien évidemment. Et puis en ce qui vous concerne, vous étiez en lutte avec Quentin Giordano pour le titre, pour le 4e titre de champion de France. Quentin a dû abandonner, hein, on le sait. On est très content et très fier de la saison qu'on a pu faire avec notre équipe CHL Sport Auto et tous nos partenaires, c'est une belle récompense. Voilà, effectivement, une très très belle saison, hein, tout ça vient couronner une saison remplie de 5 victoires et peut-être une 6e à savoir. Voilà, bravo à vous, Johan Bonato et Benjamin. Voilà, effectivement, si vous avez suivi un petit peu le rallye, vous avez dû l'apprendre, hein, les deux événements principaux de cet après-midi. Je pense qu'on a perdu que 3 secondes en fait, donc on ne serait quand même pas en tête ce soir. Sinon, globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Les 3 en bagarre, maintenant en plus, il n'a plus la pression du titre, donc il peut rouler un peu. On n'a pas fait le bon choix de pneus, je pense, donc ça nous a un peu handicapés, mais voilà, on s'en sort quand même bien.
sur la première.